Et maintenant, nous allons donc passer à un deuxième temps de cette fin de journée sur la justice. Un deuxième temps qui concernera la poursuite de l'instruction. Pourquoi l'enquête doit-elle continuer dans ce dossier Bicesero ? Et donc, Maître Olivier Fox, qui est un des avocats de survie, et Maître Lorénique, qui est l'avocate d'Éric Nzabimana et de Bernard Kayumba, et Maître Karine Bourdier, qui est l'autre avocate des plaignants personnes physiques. Oui, bonjour à tous. Alors, on me demande d'intervenir là pour expliquer les raisons de la nécessité de prolonger l'instruction. Alors, bien sûr, c'est pas pour le plaisir hein, de prolonger une instruction qui dure depuis maintenant 14 ans, mais c'est parce que, comme ça a été vu très longuement aujourd'hui et de manière détaillée avec chaque intervenant, c'est parce que ce dossier, on l'a beaucoup critiqué aussi, on critique l'instruction, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été réalisées par les différents juges. Et c'est vrai qu'on a eu énormément d'avancées entre 2012 et 2015. Depuis 2015, plus grand chose. Qu'est-ce que permet le dossier aujourd'hui ? Il permet d'établir d'une manière qui n'est pas contestable qu'il y a bien une abstention d'intervenir dans les collines de Bicesero pour mettre fin aux tueries, une abstention de faire intervenir les militaires qui étaient à proximité, qui étaient en capacité de le faire immédiatement, parce qu'ils étaient équipés, parce que ce sont des troupes d'élite, et parce que c'est la seule raison d'être de la mission turquoise. C'est la mission officielle, en tout cas. C'est bien de mettre fin au massacre là où ils seront découverts. Mais l'enquête judiciaire, l'enquête, l'instruction aujourd'hui, elle ne permet pas ni de savoir ce qui a motivé cette abstention, ni surtout d'imputer cette abstention à des individus. Or, cette abstention, elle peut être pénalement répréhensible, puisque factuellement, elle a autorisé, elle a facilité la commission du crime des Tutsis rescapés du 27 au 30 juin 1994. Le fait de ne pas s'interposer, alors que, je le répète, ils sont à proximité, est vu par les tueurs comme un blanc-seing, comme un acquiescement à la commission de leur crime. Et on verra dans le panel suivant ce que ça peut impliquer en termes de responsabilité pénale. Alors, pourquoi il faut poursuivre ? Parce que s'arrêter en l'état, en fait, c'est de dire, je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit aujourd'hui, il faut vraiment insister, c'est de dire oui, les militaires français autour de Duval ont bien rencontré, dans les conditions qui ont été décrites par les plaignants, dans les conditions qui ont été décrites par les journalistes qui étaient présents, ont bien rencontré donc les Tutsis de Bicesero et les ont abandonnés le 27 juin. Alors ils les ont abandonnés en s'estimant en nombre insuffisant, en s'estimant trop loin de leur base de Kibouyé, ce qui était exact. Mais il faut dire aussi, il faut le rappeler, c'est le deuxième élément, à quelques kilomètres de là, au même moment, se trouvaient 30 hommes armés du COS, essentiellement des commandos marines, dirigés par Marin Gillier, qui observaient ce qui se passait dans les collines depuis le matin. Et ces 30 hommes du COS, ils ne sont pas intervenus le 27, ils ne sont pas intervenus le 28, ils ne sont pas intervenus le 29. Ils interviendront le 30. Et ça a été rappelé tout à l'heure, la description qui est faite de ce qui se passe à Guichita par ces mêmes hommes, ils sont entourés, selon eux, d'hommes civils armés qui effectuent des raids de vengeance. C'est ça qu'ils voient à Guichita. Ils observent ce que certains appellent des combats. En fait, ils observent les tueries depuis plusieurs jours. Oui, la hiérarchie militaire, et quand je dis la hiérarchie militaire, je parle de chaque échelon. Le commandement du COS, au-dessus de lui, le commandement de Turquoise,
et ensuite l'état-major des armées, a été informé de manière indiscutable, en temps réel, mais également le 27 juin au soir, l'information ayant été confirmée le 28, le 29. Ça ne fait pas de doute, et ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les témoignages des uns et des autres, enfin ils le disent aussi, mais ce sont des documents d'époque qui proviennent des militaires et qui ont été exposés cet après-midi. Autre élément, non, les militaires de Turquoise, et c'est un élément de justification actuel, n'ont jamais eu affaire à des éléments du FPR qui seraient infiltrés dans les collines de Bicécéro. Ils n'ont pas vu le moindre soldat. Le militaire qui était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, l'a rappelé. Il y a eu des vols d'hélicoptères, ça on n'a pas la preuve dans le dossier, mais on est content de l'apprendre, qui permettent de dire que cette information des infiltrés Tutsis dans les collines de Bicécéro, elle n'avait pour origine et pour seule origine les assertions des tueurs. Et les militaires français en étaient parfaitement conscients. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans les journaux télévisés? Alors, je pensais qu'on allait les voir aujourd'hui, mais les journaux télévisés de TF1 et d'Antenne 2 à l'époque nous parlent de la seule information qu'il y a, et ils sourcent les militaires français, qu'il y a à proximité de Guichita 1000 à 2000 hommes du FPR qui sont prêts à combattre et que les militaires français sont très inquiets de cette situation. C'est un élément qui est parfaitement inexact. Oui, contrairement à ce qu'a affirmé publiquement le général Lafourcade, les militaires étaient en capacité d'intervenir. Alors, peut-être pas le 27, et encore ça se discute, mais à minima le 28 au matin. Ils étaient en nombre suffisant, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient au moins une trentaine à moins de 5 km à vol d'oiseau de là, c'est-à-dire peut-être une demi-heure de jeep au maximum. Ils étaient une quarantaine à Kibouyé, et puis le monsieur Ancel a rappelé tout à l'heure qui était présent, quelle troupe était présente à Bukavu. Ils étaient équipés pour le faire, ce sont des soldats d'élite, et leur seule présence selon eux, et leur seule présence selon les officiers, suffisait de toute façon, ils n'avaient même pas besoin de tirer une balle, hein, leur seule présence suffisait à faire taire, à éviter la moindre tuerie. Ces points sont difficilement contestables, parce que qui est-ce qui intervient et qui est-ce qui sauve les rescapés Tutsis le 30 juin? Eh bien, c'est les mêmes qui sont là depuis 3 jours. Hein, c'est le groupe Maringillier, c'est les commandos marines qui sont à proximité, et ce n'est pas des nouvelles troupes qui sont arrivées. Et ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Enfin, le sauvetage du 30 n'est pas la résultante d'un ordre. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, hein, et le dossier est clos, il n'y a pas d'ordre d'intervenir à Bicécéro, il n'y a pas d'opération de sauvetage des Tutsis de Bicécéro le 30 juin. On sait que ça résulte d'initiatives personnelles. Alors on a eu quelques précisions avec l'interview tout à l'heure de M. Kailey. Ce sont des initiatives personnelles grâce à des journalistes qui étaient présents et qui ont vu ce qu'ils avaient à voir dans ces collines. Il n'y a pas d'ordre d'intervenir. Voilà, selon les juges, il faudrait donc se contenter de ces constats accablants, accablants pour l'armée, puisqu'ils sont contestés, je le rappelle, ils ont été contestés longuement pour ce qui est de l'information des Tutsis. Maintenant, c'est beaucoup plus nuancé. Donc, il serait inutile pour les juges de rechercher à savoir pourquoi, mais surtout à quel niveau hiérarchique, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique, et qui a pris donc cette décision aux conséquences dramatiques, hein, cette décision de lever l'option qui a été proposée par le général Lafourcade au chef d'état-major des armées, l'amiral de Langsad, le 27 juin au soir. Et je rappelle, hein, l'option, c'est ne rien faire et laisser se perpétrer les massacres dans notre dos. L'enquête, elle doit se poursuivre donc pour déterminer quelles sont les personnes
qui porte cette lourde responsabilité. Qui peut être tenu de cette, qui peut être tenu responsable de cette inaction coupable, à mon sens, en tout cas aux conséquences dramatiques, et qui a été perçue indéniablement par les tueurs comme, comme un acquiescement à la commission de leur crime. Alors c'est en ce sens qu'on a produit non seulement des demandes d'actes, mais des longues observations au mois d'octobre dernier, demandant au juge, donc de manière extrêmement motivée, et demandant au juge de poursuivre l'instruction en faisant des actes qui ne sont pas si difficiles à réaliser et surtout qui nous paraissent évidents et évidents depuis longtemps. Et on ne comprend pas, comment, pourquoi les parties civiles devraient être à l'origine de ces demandes. Il s'agit en premier lieu, bien sûr, d'auditionner l'état-major des armées, l'amiral Langsade, le général Germanos, mais aussi les décideurs politiques, pour savoir quelle a été la réaction, quelle a été leur réaction à cette information capitale, et très claire, hein, je veux être très précis là-dessus, il n'y a pas de dilution de l'information. Vous avez vu les éléments qui ont été transmis à l'état-major le 27 juin, c'est limpide, hein. Et donc, quelles ont été les ordres donnés, s'ils existent, ces ordres ? Quelles ont été les ordres donnés par les politiques à l'état-major des armées, par l'état-major des armées au commandement de Turquoise et leurs répercussions sur le terrain des opérations ? Avec la même finalité, on a demandé que des confrontations puissent avoir lieu entre les officiers qui ont été entendus, en particulier entre les officiers qui ont le statut de témoin assisté, pour qu'ils puissent lever, en tout cas peut-être lever, les contradictions majeures sur la transmission d'informations au sein de Turquoise, sur les ordres qu'ils auraient reçus ou pas reçus, et sur les ordres donnés ou pas donnés. Il y a des contradictions qui restent majeures dans ce dossier avec des personnages clés. Et puis j'en terminerai par là, et on l'a longuement beaucoup évoqué, chacun à notre tour. L'enquête, elle doit se poursuivre parce que le président de la République a pris donc cette décision d'habiliter des historiens à avoir accès à des documents qui sont à l'ensemble des archives, dont les documents qui sont classés secret défense. Comment est-ce qu'on peut accepter ? Comment les juges d'instruction, comment l'institution judiciaire, comment accepter et s'accommoder du fait que des historiens désignés par le pouvoir exécutif puissent avoir accès à des documents essentiels à la manifestation de la vérité qui ont toujours été refusés aux juges d'instruction. Et ces documents, je parle de documents précis, on ne parle pas de choses en l'air, ces documents, ils sont identifiés. C'est des documents du COS turquoise, il y en a beaucoup. C'est des documents de la DST, c'est des documents de la DRM et de l'état-major des armées. Non seulement ils sont identifiés, ils sont référencés. On a les références de ces documents. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Ils peuvent nous éclairer de manière définitive. Alors peut-être que ça irait à l'encontre des conclusions des juges d'instruction, ou peut-être qu'au contraire, ça viendrait les conforter, je ne sais pas. En tout cas, cette ouverture des archives à des historiens, elle devrait s'appliquer aux juges, et ça devrait être un des motifs qui doit leur permettre de dire on poursuit l'instruction pour avoir accès à ces 3 minutes pour tout le monde. Pardon, je n'avais pas compris. J'en ai terminé hein, pour. Donc, nous éclairer de manière définitive sur la nature des ordres donnés. Voilà, ces documents, ils sont essentiels et on pourra tourner la page et engager ou non des responsabilités pénales individuelles pour l'inaction qui est reprochée donc aux militaires français dans les collines de Bicêtre. Oui, moi je vais juste rajouter quelques mots. Donc je suis avec Laure
Nous assistons toutes les deux, les parties civiles, personnes physiques, dans ce dossier, c'est-à-dire notamment Eric et Bernard, que vous avez entendu ce matin. Je voudrais juste dire quelques mots parce que il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été très complètes et puis c'est pas fini puisqu'il va y avoir toute une partie sur les aspects proprement juridiques des questions de complicité. Je voudrais juste insister un tout petit peu sur notre état d'esprit à nous, c'est-à-dire que nous, on ne s'est pas intronisé un jour grand distributeur de bons points, des bons et des mauvais points sur une opération qui était évidemment éminemment délicate et périlleuse dans ces années-là et qui en plus remonte à évidemment très longtemps. On n'est pas juge de ce qui s'y est passé, mais on est avocat pour venir aider chacun à faire rien que son travail, mais tout son travail. J'entendais Brigitte Reynaud tout à l'heure dire ça, je n'ai fait que mon travail. Si seulement tout le monde dans cette affaire-là pouvait faire rien que son travail, mais tout son travail. Force est de constater, hein, alors je ne souhaite à personne ici d'être un justiciable lambda qui tomberait dans les rouages de la machine judiciaire. Je ne souhaite à personne d'avoir affaire à un juge d'instruction qui viendrait le placer face à ses contradictions et face à quelque chose qui parfois peut, parce que c'est humain, parce que c'est naturel quand on est mis en cause, ressembler à un mensonge. Force est de constater que dans ce dossier, on voit passer des déclarations, on voit passer des explications qui nous font parfois tomber de nos chaises et qui ne passeraient jamais dans le moindre dossier d'un voleur de bicyclette en termes de contradiction et en termes d'invraisemblance. Alors nous, notre travail comme avocat, c'est aux côtés de survie et aux côtés des personnes physiques, de pousser, de continuer à travailler, de continuer à alimenter le dossier et de continuer surtout à mettre les juges face à ces contradictions pour qu'ils les relèvent et pour qu'ils soient contraints, s'ils refusent de poser les questions qui fâchent, pour qu'ils soient contraints d'assumer qu'ils le font en toute connaissance de cause. Je cite deux exemples dont Olivier vous a parlé, mais deux points qui sont quand même majeurs dans cette affaire. La question de savoir qui a été informé de ce qui se passait à Bicécéro entre le 27 et le 30 juin et à quel moment. La question de savoir comment on peut soutenir pendant des années qu'on n'a pas du tout été au courant alors qu'on est un responsable hiérarchique militaire important, comment il se pourrait qu'on n'ait pas du tout été informé en temps réel ou ne serait-ce que par un compte-rendu quotidien comme c'était la procédure obligatoire et incontournable dans ce type de situation de ce qui se passait en réalité. Et puis, autre exemple, la question de savoir ce sur quoi Olivier insistait, qui est évidemment fondamental. Pourquoi aucun ordre n'a été donné en attendant le 30 juin pour aller intervenir à Bicécéro où les gens étaient en train de se faire massacrer, ce que tout le monde savait? Pourquoi aucun ordre n'a été donné et comment peut-on soutenir aujourd'hui que bien évidemment l'ordre d'intervention a été donné? Dans ces cas-là, dites-nous en plus. Ça arriverait dans n'importe quel dossier d'instruction de n'importe quel justiciable lambda. Voilà, alors j'entendais Patrick Baudouin dire tout à l'heure que dans ce dossier, force était de constater que la culture de l'impunité pouvait toujours exister et puis survie à placer ce colloque sous cet intitulé de 25 ans d'impunité. Nous, notre travail à nous, c'est de dire que dans ce dossier-là, comme dans d'autres, peut-être parce qu'on est de grands naïfs, peut-être parce qu'on a des espoirs fous, mais que dans ce dossier-là, comme dans d'autres, il faut regarder les choses en face, il faut regarder les preuves en face et il faut pousser chacun à assumer ses responsabilités. Vous avez des faits aujourd'hui qui datent d'il y a 25 ans. Bernard et Eric, tout à l'heure, vous disaient que au moment où ils ont croisé les militaires de Turquoise, que ce soit les hommes de Duval ou que ce soit ensuite le 30, les hommes de Gillier, ils étaient des morts vivants. J'entends bien que tout le monde se félicite de l'annonce de la commission qui sera présidée par Vincent Duclert. J'entends que c'est une avancée certainement pour la vérité historique, mais je voudrais juste m'interroger et que nous nous interrogions tous, chacun à notre place, sur le fait de savoir s'il faudra attendre que Eric et Bernard soient vraiment morts définitivement pour que, enfin, la vérité historique rejoigne une traduction sur le plan judiciaire de ce qui aurait dû être les responsabilités et les vraies mises en cause sur le plan judiciaire. Ce jour-là, ce sera trop tard, en réalité, s'il faut encore attendre des décennies pour que, enfin, ce pays veuille bien regarder ses responsabilités en face, notamment dans leur traduction judiciaire. Ce jour-là, ce sera trop tard. Et en réalité, cette culture de l'impunité, elle aura fait comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle aura servi de grand linceul pour définitivement recouvrir
bis et séro. Voilà, nous on est peut-être naïfs, mais on croit jusqu'au bout qu'on peut lutter contre ça, et on le fera. L'instruction est proche d'être terminée, mais elle n'est pas encore terminée. S'il y a un non-lieu, nous en ferons appel, et nous irons jusqu'au bout de ce que nous permet la manœuvre judiciaire pour lutter à leur côté, et faire en sorte que ces responsabilités soient, si ce n'est reconnu, au moins examiné. Rien que son travail, mais tout son travail. Oui, alors effectivement, avec Karine Bourdier, nous défendons, parce qu'il s'agit vraiment d'une défense, Bernard et Eric. Et vous savez, les avocats ont souvent cette formule, vous avez dû l'entendre parfois dans les tribunaux et souvent dans les médias. Nous disons souvent que nous avons l'honneur de défendre les gens qui nous le demandent. Et moi, j'ai l'honneur de défendre pas mal de personnes à qui je tiens. Mais je n'ai, dans mon cabinet et dans ma vie entière, jamais eu un honneur aussi grand que de vous défendre, vous deux, Bernard et Eric. Et je parle en mon nom, mais aussi au nom de Karine Bourdier, et puis au nom de Survie, qui vous défend aussi dans ce dossier. Alors j'entendais Philippe Boisserie dire, pour moi, Eric, c'était une lumière. Et en fait, je vais m'adresser aussi un peu à vous, parce que je crains, mais je ne désespère pas, mais je crains que je ne puisse pas le faire devant un tribunal. Alors je le fais déjà ici, mais je ne désespère pas qu'un jour je parlerai pour vous devant un tribunal. Et effectivement, votre sourire et puis votre pudeur qu'on a pu entendre toute la journée nous aide, parce que vous nous ménagez. Ce qui est quand même assez incroyable, de se dire que quand on entend des parties civiles victimes comme vous, vous êtes toujours à soutenir notre travail et à nous encourager à ne pas baisser les bras, ce que nous faisons pour vous. Alors, je voulais raconter que vous êtes venu ici. On s'est rencontrés parce que vous êtes venu jusqu'à nous, et vous êtes venu rencontrer les juges d'instruction ici. Et tout à l'heure, ça m'a fait penser, quand j'entendais Madame Reynaud qui disait que ça a été compliqué pour les billets d'avion, que vous êtes venu, je crois bien, en 2015, et qu'on a eu de cesse de réclamer le remboursement juste, en fait, de vos billets d'avion que vous avez payés, et que même ça, nous ne l'avons pas obtenu. Alors, ça, c'est une obstruction, je crois, qu'on aurait pu citer tout à l'heure, et ça dit beaucoup de choses, et on vous a rencontré ici, mais on vous a aussi rencontré là-bas, parce qu'il y a une reconstitution qui, il faut bien le dire, a été ordonnée par les juges d'instruction. Et on vous a vu refaire ces gestes, Eric et Bernard, sur les collines de Bicicero, quand vous êtes venus à la rencontre de l'armée française qui passait. Et puis, je me souviendrai toute ma vie, je crois, Eric, et je le dis devant tout le monde, qu'après avoir fait ces gestes-là, vous avez dit aux juges d'instruction, aux deux juges d'instruction qui étaient là-bas, « Si vous voulez, je peux vous montrer le trou dans lequel j'étais cachée. C'est à 50 mètres d'ici. » Et que le juge d'instruction a dit « Non, non. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que cette instruction-là, elle ne se déroulait pas pour vous. Et qu'elle se déroulait, peut-être que c'était le travail de M. Duclerc, d'ailleurs, qui était en train d'être fait pour des historiens et pas pour vous. Et puis pas pour une vérité judiciaire. Alors pourquoi elle doit se poursuivre? Nous, on a tout de suite envie de répondre, bien sûr, pour vous. Mais je crois que ce mot du juge dit beaucoup de choses, et que nous, on a aussi cette douleur de ne pas être certaine d'être tout à fait à la hauteur du travail, et puis à la hauteur de qui vous êtes. Quand j'ai donné le dossier à lire à Eric et Bernard, la première chose qu'ils disent, et en lisant aussi les déclarations des militaires, c'est normal qu'ils nient. Comment voulez-vous avouer quelque chose comme ça? Non seulement je trouve que c'est une sacrée grandeur d'âme de pouvoir le dire, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème que les militaires nient. Le problème, c'est que les juges d'instruction nient pour eux derrière. Et quand mon confrère Tubiana a commencé ici, a ouvert le colloque en disant « Si j'étais juge d'instruction, je me sentirais humiliée que les archives soient ouvertes », je ne crois pas, malheureusement,
que ce soit la réaction des juges d'instruction, parce qu'on a été déposé il y a quelques jours une lettre auprès des juges d'instruction en leur disant, ben justement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une commission d'historiens qui doit prendre connaissance de documents dont vous n'avez pas connaissance vous-même et rendre un rapport dans 2 ans. Donc il est hors de question de clôturer, à notre sens, l'information judiciaire. Et le juge nous a répondu, déposez votre courrier, mais moi je n'ai pas de commentaire à faire. Alors, je vous disais, vous nous interdisez de désespérer, et nous ne désespérons pas, mais il y a des vraies obstructions. D'habitude, les magistrats, dans tous les dossiers que nous avons, Karine Bourdier vous en a parlé, les magistrats, en général, tordent la procédure pour parvenir à une culpabilité. Et là, c'est tout le contraire, c'est tout l'inverse. Et quand on se réjouit qu'il y ait beaucoup de questions qui soient posées dans cette instruction judiciaire, et c'est vrai, mais il faut le dire aussi que ces questions, elles sont posées uniquement par le travail des parties civiles, alors que d'habitude, c'est facile d'être partie civile. Nous, quand on est avocat de partie civile, on est content, parce que, disons-le comme ça, on n'a rien à faire. Le juge fait tout. Et là, c'est absolument tout l'inverse. C'est facile pour les mises en cause et c'est difficile pour vous, pour nous, parce que tout le travail est à faire. Et bien sûr que c'est rien qu'en cela, on voit toute l'obstruction qui est faite. Alors, on n'est pas associé pour rien, parce que moi aussi j'avais prévu cette conclusion-là, de vous dire que je suis à peu près certaine qu'un jour en France, on reconnaîtra la complicité, en fait. Un jour, ça viendra, mais nous, on est là pour que vous voyez ce jour-là et puis qu'on se retrouve dans une cour d'assises et puis pas dans un colloque que nous organisons nous-mêmes. Et que si nous sommes un peu désespérés, nous ne baissons absolument pas les bras, et c'est ce qu'on est venu vous dire aussi devant tout le monde. Alors, la professeure Raphaël Maison a 2 questions à poser. Et puis, nous venons de décider que le texte de Damien Rutz, qui est très juridique, sera mis en ligne avec la captation du colloque. Et nous allons donc donner un peu plus de temps à Raphaël, qui a 2 questions. Et ensuite, si tu vas sans doute évoquer aussi un petit peu le raisonnement de ton confrère Damien Rutz, hein, dans ton intervention. Alors moi, j'ai 2 toutes petites questions parce que le temps nous est compté. D'abord, vous avez évoqué cette recherche de documents et d'ordre, bien entendu. Donc merci d'abord pour votre intervention. Et à un moment, vous avez dit il y a toute une hiérarchie militaire, il y a le COS, et puis il y a la Fourcade, et puis il y a Paris. Moi, j'ai l'impression, enfin en tout cas d'après un certain nombre de témoignages, que le COS et Turquoise, ça ne répond pas forcément à la même chaîne hiérarchique. Et ça semble être un des problèmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et deuxièmement, vous avez dit, on n'est pas là pour mettre en cause une opération éminemment délicate. Alors, je vous avouerai que ça m'a un petit peu frappée, parce que je ne pense pas que ce soit une opération éminemment délicate. Dès le départ, cette opération pose toute une série de problèmes. Et à mon avis, ce qui s'y déroule est lié à la conception originelle de cette opération, comme ça a été bien décrit d'ailleurs ce matin. Donc je ne sais pas s'il faut être dans cette espèce de Je vous rejoins tout de suite. Hein, je vous rejoins tout de suite. Je déminais juste par anticipation, si je puis dire, l'argument qui aurait pu être très facilement opposé, de me dire vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que c'est facile, franchement, de débarquer au Rwanda ? Vous croyez que c'est facile alors que 3 mois viennent de s'écouler, etc. C'est dans ce sens-là, très simplement, que je dis opération éminemment délicate. Sinon, je vous rejoins complètement sur tous ces aspects. Pour ce qui est de la question des échelons, officiellement, les membres du COS rendent compte au chef du COS, qui est Rosier. Le Rosier devant rendre compte au commandement de Turquoise, qui est la Fourcade, lui-même rendant compte à l'état-major. Ça, c'est officiel. Après, qu'il y ait eu des liens directs entre Paris et le COS, c'est possible, mais je n'ai pas d'éléments pour en attester. Merci beaucoup à tous les 3.